Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de PoE sur PS4. Voilà, oui, et alors? Si ça peut te faire plaisir, on est toujours dans l'ombre des Vals, dans la fameuse quête qui nous dit de monter au sommet de la pyramide antique. Et on est parti. Et puis que d'aventure dans ce jeu. Et je suis même pas au 8ème, bah je suis à l'acte 2, il y en a 10, 12. Donc effectivement, on va dire les choses comme elles sont, c'est long, c'est exigeant, mais c'est bon. Et plus c'est long, plus c'est bon. En théorie. Mais bon, allez. T'as des portes à ouvrir de tous les côtés, tu sais jamais dans quel sens aller. Ah, champion. Ouh. Coucou, viens ici toi. Toi tu m'intéresses un peu. Toi c'est tout. Alors... Vous savez pourquoi ça m'intéresse? Ah, elles sont pas liées, ça c'est dommage. Il faudrait de la force, mais... Armure 25... Bouclier d'énergie 48... Mais du coup, j'aurais plus d'armure... Je vais finir ça, et une fois que j'aurai fini ça, je me concentrerai sur améliorer un petit peu mon perso, parce que je pense qu'il y a besoin que je vérifie certaines choses, parce que pour l'instant j'ai équipé des choses qui n'étaient pas folichonnes, donc il faut que je vois. Il faut que je vois ce que je peux faire une fois que j'aurai fait tout ça. Il va falloir que je me concentre aussi un peu sur mon perso, sur les builds, sur les skills, sur tout ce qu'on peut avoir. Parfait. Il y a toute la partie là en bas que j'ai loupée. Ok. Gantelet, cuirasse de guerre, non. Flacon immense de mana, j'ai les mêmes. Maga, tac, 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 casse gantelet, tac. Pièce d'argent, ça je vais la récupérer. Le coffre, il y a quoi? Il y a rien dedans. Ça, quand tu meurs. C'est tout. Faut pas avoir mal au crâne quand tu joues au jeu, parce que. On va continuer à aller par là. C'est bon. Du coup, la question c'est ça, c'est est-ce que ça continue? Ok, on va aller par là pour voir où. Ok, là on vient de... on est rentré par où? Putain, mais c'est la folie, je comprends rien de parfois hein. Donc là on peut pas y aller. Là il y a une porte, ok.
Donc on est arrivé par où? Je sais plus par où on est arrivé. On est arrivé par en bas, hein? J'ai un doute là, on est arrivé par en bas ou pas? On est arrivé ailleurs. Oui, si on a... je pense qu'on est arrivé par en bas. Ok. C'est fou à quel point j'arrive à me perdre dans ce jeu. Mais c'est dingue. D'habitude, je me perds pas dans un jeu, mais là... Si tu te rappelles pas à la base de l'entrée, parfois tu peux te perdre comme un con. Parchemin de portail. Baguette en quartz. 14-27. 20% de dégâts de sort. Parce que là j'en ai pas mal hein, déjà. J'en ai déjà deux donc c'est pas la peine. Ah quoi qu'attendez, 20% d'augmentation de dégâts de sort, et celle-là elle fait 20. Donc du coup il vaut mieux que j'achète celle-là, et que hop, celle-là va passer ici. Et ça on s'occupera après. Ah ça j'adore. Et par ici. Essence murmurante d'affliction. Améliore un objet normal en le gérant en lui donnant une propriété assurée. Ah bah parfait. Alors attendez. Elle est où? Où est-ce que c'est foutu? Bah elle est où? Je l'ai pas chopé? Bah elle est où l'essence? Attendez. Qu'est-ce que j'ai mal vu là? Elle a combien celle-là? 14-27. Faudrait que j'essaie de les améliorer, je sais pas comment, on verra ça après. Perfecto bambino. Ah mais c'est là, il monte cet escalier là. Donc je suis bel et bien pas venu par là. Il y a juste le petit truc que je veux voir aller là, que je veux aller voir là. Là je peux en parler non plus. Ça, je suis pas sûr que ce soit très important, mais bon. Ok, c'est bon, on peut monter. Eh ben, eh ben, eh ben. Que d'émotion. Allez, c'est reparti. C'est fou.
coffre. Ok, donc là c'est la porte pour monter. Ces cartes sont juste horribles et immenses. Soutien, gantelet de bronze. What? Pièce de foudre. Allez, ça sera pris. J'en ai pas l'utilité, mais ça sera pris. Et on est reparti, et ça monte, et ça monte, et chaque fois c'est encore plus long. C'est bon. Et j'ai envie de dire, heureusement que t'as une carte, hein. Parfait. Web. Ok, on va pouvoir monter. J'ai l'impression que elle était plus petite que l'autre, non? C'est moi ou Après normalement c'est une pyramide, donc c'est normal, plus tu montes en théorie, plus c'est petit, non? On est d'accord. On est d'accord ou pas? Plus tu montes, plus les étages sont petits. Je suis pas fou. Ah, enfin. Activer l'hôtel obscur. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Y'a rien d'autre? Cool. Bon ben, quand il faut faire, quand faut y aller, faut y aller, hein. Qu'est-ce que c'est cool.
quand tu veux. Je t'attends, mon pote. Je t'attends, mon pote. Oulala. Oulala. Peut-être été un peu trop confiant, moi. Vache, il picote, hein. Ok, en tout cas j'ai compris son système. Il fait 3 coups. Putain, il faut que je la mesure, hein, parce que... Passe-toi au centre, viens pop au centre parce que... Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Bon, en théorie, du coup, il est revenu, c'est ça? Ok, bon, ça, c'est pas trop pénalisant. Oh putain! Franchement, c'est chaud, hein. Allez, je le finis là. Oh la vache. Ceinture, carquois. Ouais.
Ouais, ça craint, Max, hein. J'en ai chié. J'en ai chié. J'en ai chié. Eh ben. Je vous remets un petit peu de mes émotions. La ville de Sarnes. Eh ben voilà, acte 3. Oh la vache. Que d'émotions. Que d'émotions, les amis. Que d'émotions. Je me sers un peu d'eau. Eh ben. Voyons ça deux secondes. Monde. Acte 2, du coup. Servez-vous de l'établi artisanat à votre père, d'accord. Servez-vous de l'hôtel de son. Accomplissez toutes les épreuves de l'ascendance. Du coup, je les ai faites ou pas toutes les épreuves? C'est sûr. Ah, c'est une ville là maintenant. Ça, c'est classe. Donc, je suis où exactement là parce que. Ville de Sarnes, ok. Par contre, j'ai chopé un truc, non? Que j'ai pas. Ok. I don't mean to sound ungrateful, but we've no time for talk. Tolman was out here with me, and now Piety has him. They're headed for the crematorium. I've no chance against Piety and your blackguards, but you. Okay. Ça, je pense que ça va être l'endroit où on peut faire une petite pause. Comment dirais-je? Petite pause cérébrale, non? Je pense pas avoir loupé quelque chose ici. Eh ben. En tout cas, la ville est un peu détruite, hein.
Campement de Sarn, ok. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est faire le nettoyage avant ici. Parfait, ok, on va pouvoir aller au campement. Crotte. Parfait, allez. C'est parti, campement de Sarn. Eh ben voilà, on y arrive quand même. On y arrive. Eh ben c'est plaisant ça, un peu de calme dans ce monde de violence. Bas quartier. Waouh. Cool. Il y a des quêtes partout ici. Là, ils ont des tronches, les mecs. Ils sont balèzes, hein. Tiens, du coup, voir le profil. Ah non, je peux pas. Si, je peux voir. Non, ça on s'en fout. Ouais, mais non, c'est... J'aurais voulu voir le... Là, c'est une sorcière. Elle est classe. Elle est classe. Elle est vraiment classe. Our paths meet in the shell of a long dead snail. And if... Afficher les prophéties. A stranger walks into a town with a lost lover in tow. Sounds like the beginning of a jest. Ok. Acheter des objets. Un bâton. Ils vont pas de. Ça c'est cool. Mm-hmm. Seulement elle est à la résistance du chaos. Elle est à combien celle-là? 10,41. Ah mais c'est une dague. Je pensais que c'était une baguette. Bon, bah tant pis. Madame Wapatua thanks you, exile, for returning our Clarissa to us. She is the gentle heart of this place. Dominus and his ebony. Tu me donnerais en échange? Quelle arnaque. Quelle arnaque. Come no closer, witch. The name's Grigor, and as you can see, I've had my fill of your kind. So once you've finished admiring your sisterhood's handiwork, turn those icy orbs of yours eastward. Death came to town. The roaring Azumites wore red. The red of blood. The red of the fray. Death came to town. The crying Azumites were black. Ok, d'accord. Je vois un petit peu le souci. Hello. Que c'est. Acheter des objets. Qu'est-ce que tu vends, quoi, ton objet? Il faudrait peut-être que je commence. Celle-là, elle me plaît vraiment. Il faut que je sois niveau 30.
La baguette, elles sont quoi là? 9, 17, on s'en fout. Par contre, celle-là, elle me plaît beaucoup. Non, celle-là. Celle-là. C'était bien une baguette, non? Oui, baguette, si. 23, 42. Peut-être falloir que je commence à améliorer ce que j'ai, moi, parce que... je vais la prendre aussi. Parce que du coup, j'en ai deux. Ah, mais non! Mais non, ils sont... Quoique si, parce que du coup, je peux les changer les couleurs. Niveau 21, 34 de force, donc ça, je peux lui vendre. Non, attendez. Vendre. Ça, je peux te le vendre. Ça, je peux te le vendre. Ça, je vais te le vendre. Ça, du coup, je te le vends et je te le vends. Ça aussi, je te le vends. Bouclier d'énergie, ça, c'est le problème, c'est que ça, c'est pas folichon, quoi. Allez, je te vends ça aussi. Accepter l'échange. Bon, maintenant qu'on est là, ce qui serait pas mal, c'est d'améliorer un peu mon perso, comme j'avais dit. Donc on a ça, donc ce que j'aimerais beaucoup prendre, c'est dextérité. Condition de rempli ? Ah oui. 1, 2, déjà ça. Il me reste un point à prendre. Alors la question, c'est de savoir, c'est est-ce que je prends le point ici ou je prends la force ? Que là je peux rien prendre de plus, c'est quoi ça? Non, ça je m'en fous. Alors voyons ça. Est-ce que je prends la force? Est-ce que ça va vraiment m'avoir une utilité ou pas? Je pense pas que ça va être une utilité pour le moment. Je vais pas prendre plus, on verra ça après. Au moins j'ai pris ça, mais maintenant je peux du coup utiliser ceci, vague de froid. Donc on va aller à ma réserve. On va faire ça. Non, reposer, je vais entreposer les trucs. Foudre, non. Parchemin de portail, tac. Piège de foudre, non. C'est pas très utile pour le moment. Tiens, tu peux. Welcome. What's going on? Vendre. Je vais vendre ça. Je vais vendre ça. Ok, donc ça, ça va être les deux armes que j'aimerais bien mettre au niveau 30. Donc on est d'accord. Donc ce qu'il faudrait que je change, c'est la couleur ici. Les couleurs ici. Est-ce que j'ai des trucs qui changent les couleurs, là? Les trucs chromatiques. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont les trucs chromatiques. Là. Donc. Prendre l'objet. Alors du coup, il faudrait que je change... Ça, c'est très bon, c'est ce que je voulais. Parfait. Donc, entreposer, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, il y a deux liens. Donc là, il n'y avait pas de lien, donc elle sera encore meilleure. Maintenant, c'est des objets en normal. Donc il faut que je les améliore en truc spécial. Donc, on améliore un objet.
Améliore mon nombre dégâts physiques. Améliore un objet normal en rare en lui donnant une propriété assurée. Dégâts physiques. Ok, ça fait quoi ça? Dégâts de foudre au sort. Et j'en ai d'autres de ça ou pas? Là j'en ai une, c'est quoi ça? Augmentation des dégâts de sort. Je la prends. Prendre l'objet. Et là c'est quoi? Augmentation des dégâts. Des dégâts physiques qui donnent dégâts physiques. Non, j'ai pas besoin de dégâts de physique, mais par contre. Alors, par contre, du coup, est-ce que j'ai des trucs? Infuse 31, dégâts de froid. Putain, mais y a tellement de trucs à lire là. Orbe de fusion, transforme les liaisons entre les choses en objet. J'en ai 4, mais du coup, non. Pièce, orbe d'altération. Remodèle un objet magique en donnant un nouveau modificateur au hasard. Non. Étincelle, truc, truc, ça on s'en fout. Transforme le nombre de chaises d'un objet. Appliquer sur ça. Évidemment. Voilà. Parfait. Ça m'arrange beaucoup. Du coup, j'aimerais bien les améliorer en fait. Dégâts de foudre au sort, je vais le prendre. Prendre l'objet. Donc maintenant. Ça c'est quoi? Donc. Dégâts de sort, on va le mettre là. Voilà. Et ça, on va le mettre ici. Ça, c'est un petit bonus. Ensuite, maintenant qu'elles sont comme ça, j'ai des trucs d'armes ou pas? Ouais. Non. Annuler. Utiliser. Donc, je le fais deux fois de chaque côté. Voilà, je l'ai fait un là, mais ça suffira. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Transforme le nombre de chasses, orbe de suppression, supprime le modificateur d'un objet, non. Donc, maintenant, il suffit de passer au niveau 30. Ça va pas tarder. Donc, ça, on est bon. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est... il faudrait vraiment que je change, en fait... Que ça c'est pas faisable, tu vois, je peux pas rester avec des objets comme ça, c'est pas bien, c'est pas pour moi. Maintenant que mon personnage a 44 en dextérité, est-ce que tu vends des armures? 15% de résistance au chaos, bouclier d'énergie 52, par exemple, tu vois ça.
Une orbe de transmutation. Bouclier d'énergie 15. Et là j'en ai combien là? J'en ai 2. Ouais, il faudrait que j'augmente. Parce que celle-là elle me plaît bien, mais bouclier d'énergie 52 et l'effet bouclier d'énergie. Tac. 19% de bouclier. A voir, c'est à voir. Il y a peut-être un autre vendeur qui permettrait de mieux vendre les choses. Need some help. Non. Acheter des objets. T'as que ça? Non, elle a que ça, d'accord. L'autre vendeur, il vend des trucs, lui? Mind over meat. Non. T'as que deux vendeurs? Elle vend des trucs, elle? Tala. Non. Tableau des événements. Bon, y a pas d'événements. Bon bah écoutez, on a déjà nos deux armes qui sont bien parées pour la suite. 119, 119, il faut juste que j'ai le niveau 30 et je suis à combien en 149, donc ça sera parfait, les armes elles seront bonnes. Mais il va falloir réfléchir à ce qu'on va mettre maintenant au niveau des compétences. Parce que là les gemmes elles sont bien, il va falloir que je retire toutes mes gemmes là et là. Ok, parfait. J'aimerais bien changer d'armure aussi. L'armure, ça, c'est un truc qui j'aimerais bien changer. Mais du coup, la question est simple. Est-ce que je peux, par exemple, mon repère... Dans votre repère, mais c'est quoi ça? Ah non, c'est ménagerie, ok. Boire un peu parce que c'est compliqué tout ça. Alors, établi d'armes. Elle me dit que j'ai de nouvelles recettes. Ça m'aide pas plus. Si je mets ça dedans, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je comprends pas bien ce truc là. Il faudrait que je lise un peu parce que. On verra. Mais au moins déjà, j'ai mes deux armes là. Les armes, j'en suis content. Je préférais des armes qui fassent des dégâts de glace, mais bon, c'est pas dramatique. On va déjà aller voir ça. Faudrait que je prenne un petit niveau, comme ça je peux changer. Il reste combien de temps? Il reste une petite demi-heure. Ce qu'il faudrait, c'est que je... afin d'améliorer un objet, mais j'aimerais bien, mais je sais pas comment on fait. Il n'est pas expliqué comment on fait, donc ça me fait chier. Acte 1, donc ça c'est, il n'y a plus rien à faire là. Labyrinthe du Seigneur, ouais, mais non. Bon, on va aller faire les amoureux égarés. Les amoureux séparés, pardon. Donc les amoureux trouvés, Torquen, dans le crématorium. Et le crématorium, il est de quel côté? Ok. Par là. Pas du tout. Par en haut et par la droite. Ok. Ça va peut-être me faire passer d'un niveau, ça. Comme ça, j'arriverai au niveau 30. Et du coup, je vais pouvoir choper les baguettes. Déjà, rien qu'avec les baguettes, je vais faire beaucoup plus mal. Ça me fait déjà bien plaisir. J'ai aussi la compétence qui va me permettre d'évoluer. Donc, ça, plus ça,
plus la nouvelle compétence en glace. Et après, il faudra se rapprocher des autres, quoi. Ouais, d'accord. Comment tu fais pour aller en bas, là? Là. Comment ça? Donc, ça ira beaucoup mieux quand j'aurai mes baguettes. Ça. Ouais, non, j'ai mieux. C'est pas fou. Alors du coup, tac. Quoi qu'en fait, je me dis que le mana, je l'utilise pas beaucoup, donc... Je
préfère me faire de la vie. Pourquoi j'ai pris le gant là? Pourquoi j'ai pris ça? Gant en maille? Je m'en fous. Pourquoi j'ai pris ça? Je sais pas. De bouclier d'énergie, ouais, c'est pas ce qui est folichon. C'est pas folichon, c'est pas folichon, c'est pas folichon. Flacon gigantesque de mana. Voilà. C'est le bordel ces maps. C'est le bordel. Ah, je sais pas ce que c'est là, mais ça me plaît. Mais c'est pas possible, les maps elles sont trop grandes en fait, tu peux pas tout voir comme ça, ronger la map à chaque fois, c'est pas possible. Ou alors je vais mettre 4 plombes, je vais mettre 4 ronds à tout faire. Le pire c'est que je sais que je reviendrai en plus, c'est ça qui est fou. Voilà, au moins faire ça pour choper des compétences. Ah, je crois que je vais devoir éternuer encore. Je suis désolé. Tiens, pardon. J'ai mis la main devant le truc, mais ça n'a pas suffi. Si tu veux. Cool. En fait, ils me tirent par dessus là, les gros là. Oh. Ça, par contre, j'apprécie beaucoup. Donc ça, je la jette. Ça, je la jette. Ça, on va la mettre là. Ouais, GG tout, je suis un dingue alors. Dague unique, non.
chouette. C'est quoi les gants? Gants de daim, hache, essence chuchotante. Dégâts physiques, ça m'a pas trop d'utilité pour moi. Concrètement, les dégâts physiques, c'est pas trop mon truc, quoi. Alors, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça, le maître art... Qu'est-ce que c'est que ça? La perfection, qu'est-ce que c'est que ça? Cool. D'accord, je sais pas ce que c'est les cartes. C'est tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Une baguette spiralée, c'est quoi ça? Moins bien que celle que j'ai. Allez, bientôt niveau 30 et mes baguettes. Mes baguettes. Ça passe. Baguette spiralée. Coup, carquois. Flacon gigantesque de mana. Un diadème de fer. Bof quoi. Ah, une petite épreuve. Tiens. It burned with fires lit by cruelty and neglect. It burned with shame for giving the title of emperor to a man who did not deserve it. Okay. Ok, on va rester là le temps que ça chauffe, parce qu'évidemment, ça chauffe de plus en plus, donc on va éviter de se faire cramer comme des débiles. Ça serait pas mal, ça. Hop, 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 hop. Trop vite. Perfect. Perfect. Les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Merci d'avoir regardé. A plus tout le monde. Salut, salut. C'était Nero. Ciao.